Salam alaikum, donc je continue, je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on a vu auparavant la Jordanie avec une augmentation des importations de pétrole. Maintenant ce texte concerne l'archéologie, donc une vidéo de traduction de l'arabe vers le français, d'un article. Vous êtes bien sûr l'arabe par le vocabulaire. On y va, donc إحباط تهريب 102 من القطع الأثرية المصرية. إحباط تهريب 102 من القطع الأثرية المصرية. إحباط, c'est l'avortement, donc ici, avortement, إحباط. Et c'est aussi pour l'avortement, ouais. L'avortement, c'est un peu. Ça montre pas d'action. Ici, c'est qu'on a déjoué. On a déjoué quoi? Tehrib. Tehrib, c'est la contrebande. Donc, le trafic, la contrebande. Tehrib, c'est le mot employé pour la contrebande. Tehrib. Donc, l'avortement ou le déjouement de d'un trafic. 102 min al-qita' al-athariya al-misriya. 202. 102 quoi? Ataria, ce sont des artefacts, donc des objets archéologiques, des antiquités égyptiennes, El Misriya. Voilà, donc une image représentant ce qu'on trouve dans un musée, pas forcément un musée en Égypte, mais un musée à la section égyptienne. Donc, Moufradet. Vocabulaire, abata, déjouer, avorter, abata, déjouer, avorter. Asr, l'époque, asr, l'époque. Bayen, un communiqué, bayen, communiqué. Mina, mina, port, un port. Mina, dabata, saisir, dabata, saisir. Idéa, idéa, dépôt, un placement. Idéa. Mouthaf, mouthaf, un musée. Mouthaf, un musée. Issaradda, récupérer. Issaradda, récupérer. Saraqa, voler. Saraqa, voler. Thawra, révolution. Thawra, révolution. Donc, le résumé. Les autorités égyptiennes ont déjoué une tentative de contrebande de pièces d'antiquité datant de l'époque ottomane. Le texte en lui-même, A'lanat Misru Ems, Al-Jumu'a. Donc, A'lanat, dans l'autre texte, on avait exactement la même structure jusqu'ici. C'est-à-dire, on avait le texte qui disait Qala al-Urdunnu. Liaoum. Ici, on a pareil, on a le verbe, on n'a pas qala, mais on a a'lanat, donc a annoncé, misr, donc on a le pays, dans l'autre, on avait l'urdunnu, donc la Jordanie, ici c'est misr, l'Égypte, donc a annoncé l'Égypte, l'Égypte a annoncé, bien sûr, en français. On avait dans l'autre texte, qala l'urdunnu liaoum, ici on a a'lanat misru, ems, hier, ems. Donc la même structure, verbe, sujet, date. Donc Ems Jumu'a. Donc hier, vendredi. Ihbat. Donc quoi? Le déjouement. Elle a annoncé le déjouement. Tahrib du trafic. 102 min al-qita' al-athariya. Donc de 102 pièces d'antiquité. Comme on a ici, pièces d'antiquité. Voilà, al-qita'i. الأثرية يعود معظمها للعصر العثماني يعود donc qui remonte la plupart d'entre elles de ces pièces d'antiquité remonte à l'époque ottomane يعود لي يعود لي remonte à يعود لي
Mu'adamuha, c'est la plupart d'entre elles. Mu'adamuha. Donc, mot important aussi à savoir. Mu'adamuha, la plupart d'entre elles, la majorité d'entre elles. Voilà, l'île Asri, l'Othmani. Donc, à l'époque ottomane. Athna'a muhawalati tahribiha, tahribiha, ila Britannia, ou Allemagne, ou le Koweït. Alors, lors de, athna'a, lors de, donc le déjouement a eu lieu, Ihbat a eu lieu, le déjouement a eu lieu, l'avortement a eu lieu, athna'a, lors, muhawalati tahribiha, lors de. Une tentative, muhawala, c'est une tentative de contrebande, tahribiha, tahribiha, contrebande, ha, c'est donc de ces pièces, tahrib, c'est la contrebande, tahribiha, de ces pièces, il est, la contrebande vers quel pays? Il est Britannia, donc la Grande-Bretagne, ouais, c'est pas le dernier pays, mais on met ouais en arabe, on répète ouais, le véritable arabe. Même si aujourd'hui on commence à placer quelques virgules dans les textes modernes, le véritable arabe met des ouais à chaque fois. Ouais, and, et. Donc les conjonctions, coordination. Ouais, Allemagne, donc préfixé au mot, toujours sans espace. Et en Allemagne, vers la contrebande vers l'Allemagne. Ouais, le Koweït, et vers le Koweït. Wa qalat wizaratul athari fi bayanin. Et donc, elle a dit, qui a dit, donc on commence toujours avec ouais, la plupart du temps, un nouveau paragraphe. Wa qalat, qui a dit, Wizaratul Athar, donc le ministère des Antiquités, fi bayanin, dans un communiqué, تمكنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية donc ça fait un long mot là تمكنت elle a pu donc elle a pu elle a réussi الإدارة la direction المركزية centrale للمنافذ centrale des points d'accès, des points d'entrée, il mène Fivi, Walwahadet, et des unités, Walwahadet, Al-Athariya, archéologique, et Bilmawani, donc des ports, Al-Misriya, des ports égyptiens, donc on avait ici Mina, port, voilà le pluriel, Mawani. Donc, Menawani, Bilmawani, Misriya, des ports égyptiens. Donc, Tamakkanat, elle a pu quoi? Min Dapt, elle a pu saisir. Min Dapt. Dapt. Elle a pu faire la saisie. Donc, saisir. Miawaitnen, Min al-Qita'il Athariya. 102 artefacts, donc 102 pièces archéologiques, objets archéologiques. Ethna Muhawalati Tahribiha. Encore une fois, la même expression qu'on avait ici, athna'a muhawalati tahribiha, ici aussi, lors de la tentative de sa contrebande, son trafic, de sa contrebande. Athna'a lors muhawalati, la tentative tahribiha, donc la contrebande, abra matari al-gharadaqa, donc par, à travers, abra, à travers, par le biais de, abra. Ici à travers Matar, l'aéroport, Matar, l'aéroport, Abra Matar, l'Gardaqa. Donc, à travers l'aéroport de l'Gardaqa, Dawli, donc l'aéroport international de l'Gardaqa, Dawli international, ou Minaï, l'Gardaqa, al-Bahri, et le port, Minaï, le port, l'Gardaqa, l'Gardaqa. C'est son nom, le nom de la ville sûrement. Al-Bahri, donc le port maritime. Maritime. Mina al-Bahri. Mina al-Bahri, donc le port maritime. Wa naqala.
et a transmis, donc le communiqué a transmis, عن المدير العامي للمنافذ الأثرية بالبحر الأحمر وحيد فتحي قوله. Donc, le bayan, ونقل البيان. Le communiqué a transmis, a rapporté, عن المدير, donc, les propos donc, de المدير. On n'a pas le propos ici, ça viendra ici, قوله, قوله. Sont les propos. Anil Moudir, donc le directeur général, PDG donc, il menait Fili, des points d'accès archéologiques, Bil Bahri l'Ahmari, de la mer rouge, le Bahr, donc mer, l'Ahmar, rouge, Wahid Fethi, c'est son nom, Wahid Fethi, Qawlahu, son propos, donc ses paroles, In Mu'adama, القطع الأثرية يعود إلى العصر العثماني. Il a donc les propos. قوله إن. Donc c'est pas qu'avec le verbe, c'est même quand on dit قوله, ses propos, ça vient du verbe قال. Ici c'est ce qu'il a dit. إن que. Même là on a إن. Pas إن ou إن ou je sais pas quoi. قوله إن معظم القطع, la plupart des pièces archéologiques, معظم القطع الأثرية يعود إلى العصر العثماني, donc remonte à l'époque ottomane. يعود إلى remonte à العصر العثماني, l'époque ottomane, 1517 إلى 1867. Donc on a de 1517 à 1867 miladi. Miladi, ça veut dire le même calendrier que nous, en Europe. Basé sur la naissance, ou la supposée date de naissance du Christ. Ida faten ila qita'in okhra, en plus d'autres pièces, d'autres objets, qita'in okhra, ta'oudu ila l'asri l'yunaniyi, الروماني. Donc d'autres pièces, قطع أخرى, إضافة إلى, en plus de, d'autres pièces, قطع أخرى, تعود إلى, qui remonte à العصر, donc l'époque, العصر اليوناني الروماني. اليوناني c'est grec et الروماني romain, donc l'époque gréco-romaine. العصر اليوناني الروماني. L'Asri al-Yunani al-Romani. Yunani al-Romani. Wawafqa al-Bayyan est selon. Wawafqa al-Bayyan est selon le communiqué. Wawafqa al-Bayyan. Sayatimu ida'u jami'a al-qita'i al-athariya. Selon le. Donc selon. Wawafqa al-Bayyan est selon le communiqué. Sayatimu ida'u jami'a al-qita'i al-athariya. بمتحفي الفن الإسلامي والمصري. Donc le dépôt ida'u jami'a al-qita' al-athariya, de l'ensemble des objets archéologiques, des pièces archéologiques, al-qita' al-athariya, aura lieu, on se fera, c'est yatimmu, ça, donc pour le futur, yatimmu, se fera, se passera, se déroulera, voilà, c'est yatimmu, un verbe qui a beaucoup de signification selon le contexte, c'est yatimmu, donc, ça, c'est pour le futur, surtout le futur proche. Il y a en arabe, pour le futur, on a soit on met rien, on comprend selon le contexte, on met un temps, un verbe au présent, et on comprend que ça parle du futur. Parfois, même un temps du passé peut parler du futur, mais en général, c'est le présent. Parfois, selon le contexte, donc on peut comprendre, comme en français, hein. Par exemple, si je dis « je viens te voir demain »,« je viens te voir demain », c'est du présent. Pourtant, on comprend, parce que le contexte, dans le contexte, on a « demain ». On a la même chose en arabe, et on a aussi « se »,
pour le futur proche, en général, et saoufa, sont des synonymes, sa et saoufa, avec une légère nuance, c'est que saoufa, c'est plutôt pour le futur un peu éloigné, et sa, c'est pour le futur proche. Et c'est saoufa est un peu plus classique aussi. Mais enfin, avec, comment dire, la pratique, on arrive après à faire la différence. سيتم إيداع جميع القطع الأثرية, donc le dépôt, le placement de l'ensemble des pièces archéologiques aura lieu, bimutrafi, ou se fera, bimutrafei. Donc ici on a les deux musées, dans les deux musées, mutrafei. Là-bas, bimutrafi, bimutrafei, on a les deux musées. On n'a pas Moutrafein parce qu'on a une idafa. Quand on a l'idafa, on enlève le noun final. Donc ici, Moutrafein, quel musée? El Fenni l'islami, de l'art islamique et égyptien. Wasta al-Qahira, au milieu du Caire. Donc au centre du Caire. Wasta al-Qahira. Ouais, Moutrafi est le musée. Qasr al-Manil, le palais de Manil. Gharbiya, Gharbiya al-Qahira, Gharbiya al-Qahira. Donc à l'ouest du Caire. Wa khilal as-sanawat al-madiya, et pendant les années précédentes, les années passées. Et durant les années passées, a'lanati sultat, donc les autorités ont annoncé, ihbata, donc le déjouement, l'avortement, a'iddati muhawalatin li tahribi l'athar, donc ihbata, le dépôt, le déjouement de plusieurs a'iddati muhawalat. De plusieurs tentatives, muhawalat, li tahrib al-athar, de contrebande des antiquités, al-athar. Idafatan ila istirdad mi'at al-qita'i al-athariya. Donc, en plus de. Comment on peut traduire ça? Istirdad, du fait de rendre. Des centaines, d'avoir rendu des centaines de pièces d'objets archéologiques min doualine ajnabiya, ou d'avoir récupéré, c'est ça que je cherchais, je voulais dire ressaisi, mais ça se dit pas ressaisi. Istirded, la récupération. Idafaten il est istirded miyat al-qita'i al-Athariya min doualine ajnabiya. Donc, puisqu'on trouve dans beaucoup de pays du monde, l'Angleterre, la Grande-Bretagne en est un exemple, des pièces, des objets archéologiques venant, appartenant à l'Égypte ancienne, par exemple. Donc, c'est pendant les époques de colonisation, etc. Il y a des chercheurs qui sont partis, que ce soit des chercheurs français ou britanniques, qui ont rapporté avec eux beaucoup de choses qu'ils trouvaient sur place, donc ça leur appartenait pas, mais ils sont saisis, et ou alors il y a des musées qui en font l'acquisition tout simplement, ou voilà. Ida fatanila, en plus de la récupération, donc là on voit que l'Égypte récupère aussi des centaines miettes al-qita'il de pièces archéologiques min doualine ajnabiya, de pays. Douelin, Doula, pluriel douel, une douelin de pays, ajnabiya, étranger. Haytou zadet mu'addalat sariqati al-athar binisbati 90%. Alors, haytou zadet mu'addalat sariqati al-athar. Donc ici, on va traduire en disant avec l'augmentation. Avec l'augmentation des incidences, des taux de vol des antiquités, 2,
d'un taux, on ne peut pas répéter le taux, donc 2, on va dire de 90%, 90%, بالنسبة 90%, عما كان عليه الحال قبل ثورة يناير 2011. Donc, عما كان, comparaison, عما كان عليه, comparaison de ce qu'était la situation, الحال, عما كان عليه, comparaison de ce qu'on... Il n'y a pas comparaison ici, mais c'est ce que ça veut dire, عما كان, par rapport à ce qu'était, on peut dire, par rapport à ce qu'était la situation, عليه الحال, الحال, la situation, قبل, avant la révolution, الثورة, قبل الثورة, يناير, la révolution de janvier 2011, يناير, 2011, 2011. وفق تصريحات selon des déclarations تصريحات إعلامية médiatique سابقة donc qui ont été faites donc passées سابقة لرئيس قطاع الأثار الأسبقي يونس يوسف خليفة donc selon تصريحات إعلامية selon des déclarations médiatiques سابقات لرئيس donc passé du لرئيس قطاع الأثار الأسبق donc de l'ancien président de la du secteur des antiquités قطاع الأثار secteur des antiquités Al-Asbaq, donc l'ancien, Youssef Khalifa, c'est son nom, Youssef Khalifa. Voilà. Donc on est dans l'archéologie avec ce texte-là. Donc on voit que après la révolution, les vols d'objets d'antiquité, donc d'objets archéologiques, a beaucoup augmenté en Égypte. Donc c'est bien parce que ça nous donne un aperçu de ce qu'est devenu l'Égypte après cette soi-disant révolution. Et donc ça ne va pas pour le mieux apparemment. Et c'est aussi à ça que sert donc l'arabe et de lire des articles en arabe, c'est-à-dire qu'on peut avoir un aperçu de ce qui se passe dans le monde arabe. Et on ne l'a pas vraiment quand on regarde les médias occidentaux, on l'a seulement pour nous dire qu'une bombe a explosé ou je ne sais pas quoi, que des gens ont été tués, que... Voilà, bon. Et quand on regarde par exemple les médias français, ils vous parleront de Jean-Louis qui fait son jardin, des touches positives comme ça. On n'a pas de... On n'a pas de dans les médias occidentaux, on n'aura pas de Mohamed ou bien de Youssef qui habite je ne sais pas quelle ville d'un pays arabe et qui fait pousser des légumes ou je ne sais pas quoi et que l'argent qu'il gagne, il va le reverser pour des pauvres, etc. Ça, on n'aura pas ça. On va vous parler du monde arabe pour les choses négatives. Les choses qui rentrent dans le discours médiatique occidental à propos du monde arabe, c'est-à-dire l'islam, la situation de la femme en islam, la conception de la vie différente, etc. Que des choses négatives. Alors que quand on lit... les articles comme ça, c'est un peu plus équilibré déjà. Bon, bien sûr, celui-ci parle, il nous donne des nouvelles, hein, donc souvent les nouvelles sont, que ce soit en Occident ou en Orient, les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc il nous donne des nouvelles, mais c'est un peu plus équilibré, un peu plus riche, c'est un peu plus explicatif. Ça va dans le détail, ça nous fait parler des interlocuteurs. Des ministres, etc., etc. Donc on peut avoir un point de vue un peu plus précis sur ce qui se passe vraiment. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.